the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Messieurs, j'ai honte d'être américain! Nombre de nos citoyens sont incultes! Nos pionniers de l'Ouest sont plus occupés à se tirer dessus qu'à s'instruire! Si nous voulons qu'une jeune nation comme la nôtre devienne puissante, il faut les Américains éduquer! Or, notre Ouest sauvage manque d'école! Messieurs, remplaçons les Colts par des crayons et les armes par les livres! Ça va pas, non? Les Colts, c'est l'Amérique! Essayez de chasser avec un... C'est la guerre, Smith et Wesson, je vous rappelle à l'ordre! Poursuivez, sénateur Upgrade. Je vous demanderai donc de voter l'opération CES, culture et éducation dans l'Ouest sauvage, comme les hirondelles annonciatrices d'un nouveau printemps intellectuel, des volées d'instituteurs s'égayeront à travers le pays. Ils seront les soldats de la connaissance. Leur inflexible moralité les guidera sans faillir vers l'accomplissement de leur mission sacrée. Implanter des écoles pour instruire les malheureux fermiers de l'Ouest labourés d'inculture et d'illettrisme. Ma mission s'annonce sous les meilleurs auspices. Un vulture rustica, sympathique rapace diurne friand de charogne, me souhaite la bienvenue dans le... Bienvenue en Arizona, pied tendre. Et en l'air, corne verte. Et que t'envoies l'oseille, car que sinon on te descend et que tu le regretteras. Mon pauvre ami, votre syntaxe est déplorable. De plus, il m'apparaît difficile d'exprimer des regrets lorsque l'on est décédé. C'est vrai, ça. T'as le causé mauvais, Dino. Que c'est quoi, la sainte taxe? Je rédige une plainte que vous porterez au shérif le plus proche. Vos armes sont confisquées jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est rigolé. Nous, c'est ton fric qu'on confisque. Et que même que j'ai bien envie de te traîner un peu derrière mon cheval pour que ça t'apprendra le respect. Un peu. On lève les bras, tas de coyotes. Vous l'avez échappé belle. Ces trois fripouilles vous auraient descendu comme un lapin. Allons, ce sont de toute évidence de malheureuses victimes d'un mauvais environnement socio-éducatif. Plus à plaindre qu'à blâmer. Hein? Je présume que vous venez juste d'arriver dans l'Ouest, Mister... Irving Strait, instituteur. Votre intervention mérite un bon point. Nom et prénom? Luke. Lucky. Eh bien, Luke Lucky, sachez que le dialogue et l'instruction sont de meilleures armes contre la violence qu'un Colt, aussi rapide soit-il. Où allez-vous? À Rao Gulch. J'ai une école à bâtir et des cerveaux vierges qui m'attendent. Je ne crois pas qu'un instituteur soit le bienvenu à Rao Gulch. C'est la pire ville de l'Arizona, un coupe-gorge, aux mains d'une bande de crapules. Même les couches les plus basses, les vases les plus profondes des étangs boueux de l'humanité ont droit à la lumière du savoir. 5, 4, 3, 2, 1. On ne peut pas le laisser tout seul. Zéro. Il va encore fourrer Ménazo dans une affaire qui ne le regarde pas. Un type assez fou pour vouloir alphabétiser les pires crapules d'Arizona mérite respect, sympathie et coup de main. Strait, je vous accompagne. Ainsi, je livrerai ces trois crapules au shérif de Rao Gulch. On est de la bande à Jim Hilarious pourri, je te sais. Et il va pas être content que t'as fait des ennuis à ces gars. Tu feras bien mieux de nous détacher. On ne dit pas « tu feras mieux », mais « tu ferais mieux ». Conditionnel. Je veillerai à ce que le shérif vous fasse réviser vos conjugaisons en cellule. Étranger avec EN, on a un beau O accent circonflexe, cibetière avec un S et deux T. Quelle orthographe. Il est temps que j'arrive. Il est évident que la faune locale est terrorisée. C'est un des symptômes basiques de l'ignorance.
Shérif, j'ai des clients pour vous. Debout là-dedans. C'est l'heure de faire son travail. Qu'est-ce que c'est, étranger? Vous visitez la région? C'est pas l'office du tourisme ici, c'est le bureau du shérif, hein? On est fermé de midi à minuit et de minuit à midi. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Mais... C'est des hommes à gym pour riches? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Votre devoir. Que vous les boucliez. Présent du subjonctif. Ouh! On boucle pas comme ça par ici. On n'est pas chez les sauvages. Faut un motif. Y a des lois. Tentative de vol et d'homicide. C'est suffisant? Sans compter les fautes de grammaire et de syntaxe. Ouh là là! Vous avez des preuves? S'agirait pas de commettre une erreur judiciaire? Surtout avec trois sympathiques bienfaiteurs de la ville, hein? Ah ouais, ouais, que c'est une erreur très très judiciaire. On a rien fait, Wilbert, tu nous connais. Qu'on le jure que c'est eux qu'on commençait. Voilà trois témoignages spontanés qui contestent vos deux témoignages que je qualifierais de partial et de moins nombreux. Partiaux? Quoi, partiaux? C'est un pluriel. Impartial comme l'instituteur, partiaux comme les voyous et les lâches. Attention, sinon c'est vous qui allez aller en prison pour insulte à la loi qui est représentée en la personne de moi. En ma personne? En ma mienne! Shérif, cette étoile sur votre poitrine vous confère des devoirs. La population de Raogulch attend que vous fassiez régner l'ordre, la loi et la justice. Pilier de... Prisonniers libérés! Ces trois hommes sont des fripouilles, et vous le savez. De qui avez-vous peur? On n'a pas peur de personne! Sauf qu'on veut pas d'ennuis avec Hilarius Pourriche. Raogulchien, Raogulchienne, je suis Irvin Strait, votre maître d'école. Connaissez-vous ce grand pays? Allons, ne me dites pas que personne ne sait quel est ce pays. C'est pas l'Amérique des fois? On ne dit pas des fois, mais parfois. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Smith, monsieur. Eh bien, mon petit Smith, apprends que ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est qu'une petite partie, au demeurant immense, du continent américain qui comprend l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, que nous partageons avec nos sympathiques voisins mexicains au sud et canadiens au nord. Très bien. Et maintenant, qui peut me dire parmi vous qui a découvert l'Amérique? C'est Smith! Vous êtes tous des ignorants! Et c'est pour cette raison que vous vous laissez terroriser par des bandits comme ce Pourriche. L'ignorance génère la peur, et le seul moyen de lutter contre l'ignorance, c'est l'instruction! Y a-t-il un endroit où nous pourrions accueillir l'école le temps d'en bâtir une? Il n'y a pas une seconde à perdre à ce que je vois! Je vois pas, non? Y a plus une bicoque de libre. À part le saloon qui est vide la plupart du temps à cause que la limonade à ce bandit allait frelater. Très bonne idée, le saloon. Ça fera une excellente salle d'études. Quoi? Mais c'est pas fait pour ça! Vous avez entendu votre shérif? Représentant de l'autorité locale, en dépit de sa méconnaissance de la grammaire. On fera donc l'école au saloon. Pas question de faire l'école au saloon! Ni de faire l'école tout court! C'est moi qui fais la loi ici! Et les études, j'aime pas ça! La preuve, j'ai arrêté de les poursuivre! Qu'est-ce que vous avez à pas rigoler, vous? En général, on rigole quand Jim Hilarius Pourriche fait un bon mot. En général, je rigole quand c'est drôle. Les choses ont changé ici. Cette bourgade, trop longtemps épargnée par l'humus vivifiant de l'intelligence, verra sa première école ouvrir dès demain. Wilbur, sors mes gars de ta cabane. Faut pas qu'il rate le lynchage de ces deux pinces sans rire. Compris? À partir de maintenant, c'est la loi qui fait la loi ici. Ces trois hommes resteront en prison jusqu'à ce que tu les y rejoignes, Jim Hilarius Pourriche. Je reviendrai. Et si j'apprends que l'un de vous est allé à l'école, il passera son certificat d'études en enfer. Je crois que c'était une menace. Une pauvre menace qui n'arrêtera pas la marche du savoir. Plus à gauche. Ah non, trop à gauche. Voilà, 10 sur 10. Un saloon transformé en école, rien de mieux pour étancher sa soif de connaissances. Eh bien, tout est prêt pour recevoir les élèves, les enfants le matin et les parents l'après-midi. Ainsi, les premiers pourront toujours aider les seconds à faire leurs devoirs. Je donnerai ma première classe sitôt après le déjeuner. Monsieur Pourriche va pas être content!
Il faut se débarrasser de ces deux-là si on veut continuer à terroriser la population tranquille. D'abord, le causeur à binocle. C'est le plus dangereux. C'est pas une blague, bande de crétins. Avec son blabla, il risque de donner de mauvaises idées aux gens. Faut lui coller une bonne frousse pour qu'il quitte la ville ventre à terre. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette rentrée scolaire sans élèves? C'est sûrement le trac du premier jour. L'école gratuite est obligatoire pour tous! Une heure de colle par minute de retard! Je m'occupe du ramassage scolaire, prof. Je suis bien trop vieux pour aller à l'école. Vous avez un mot de vos enfants pour vous en dispenser? Bienvenue au cours préparatoire. Je lis dans vos regards pétillants une soif d'apprendre que je m'efforcerai d'étancher. Pour commencer, nous allons faire connaissance. Vous allez remplir les feuilles que je vous ai distribuées et y indiquer vos noms, prénoms, âge et profession des parents. Un problème ? Je m'appelle Spignoschetti. Je suis né, je sais pas quand, et je sais pas lire, et encore moins écrire. À part votre petit camarade, Zbignoshevski, qui d'autre encore ne sait ni lire ni écrire? Il en faut bien un pour écrire les noms sur les tombes. Moi, je sais pas lire et écrire, mais je sais compter. Menteur, tu te trompes toujours quand tu rends la monnaie. Je vous amène un retardataire, prof. Élève Wilbur, vous êtes en retard. Vous me ferez 200 lignes dès que vous saurez écrire. Asseyez-vous au premier rang. Ouh là là, ça va faire du grabuge tout ça. Bon, il vaut mieux que j'aille surveiller les trois lascars pendant que le shérif s'instruit, prof. Les cours sont valables pour tout le monde, monsieur Luc. Pour vous comme pour ces trois égarés. Écoutez, prof, moi je sais lire et écrire et les prisonniers sont potentiellement dangereux. Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan? Combien de côtés a un dodécaèdre? Comment se conjugue le verbe zinzinulé à l'imparfait du subjonctif? Vous voyez, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Asseyez-vous. Il faut que vous donniez l'exemple. Si vous ne m'aidez pas, ma tâche va être ardue. Vous serez un exemple galvanisant pour tous ceux qui, encore réfractaires aux bienfaits du savoir, se disent que dans la vie, il suffit de savoir tirer au pistolet pour s'en sortir. Arrêtez de rire ou je vous remplis de plomb. Monsieur Luc, apportez-moi cette arme. Voyons, prof, je plaisantais. Vous la récupérez à la sortie. Et vous me ferez 200 lignes. Je ne dois pas menacer mes petits camarades, même si ce sont des gibiers de potence. Quoi? Vous êtes un modèle pour cette communauté. Si vous refusez, mon autorité s'écroule à leurs yeux. T'as le choix. C'est la prison ou l'école. La prison! La prison! Êtes-vous l'auteur de ce manuscrit, jeune homme? C'est pas moi, monsieur, c'est mon patron! Eh bien, je ne le félicite pas. Il y a une faute par mot. Coyote, avec deux T. Si tu fais, et accent aigu, l'école en deux mots, T, comme une T d'oreiller, un homme mort, en un seul mot comme une omelette. Zéro, c'est tout ce que ça vaut. Et vous lui direz à votre cancre de patron qu'il ferait bien de s'y remettre aux études. Zéro! Il a osé me mettre un zéro! Personne n'a jamais osé mettre un zéro à Jimmy Larius pourri. Ce damné binoclard va retourner la ville contre moi. C'est pas une blague, crâne de putois. Je vais faire plein de petits zéros dans son gilet. Et ça, c'est une blague, patron. Oh. Fais pas de rature, Luc. Sinon, c'est le bon élan demain. La ferme, les frombas. Vous avez 15 alphabets à recopier. Extinction des feux dans une demi-heure. Alex, tu rentres directement à la maison, compris? Allez, tout le monde en classe. Le cours des adultes va commencer. Le verbe « dire » est donc un verbe du second groupe. Au présent, il se conjugue ainsi. Je dis... Spignoschewski ! Que trouve-t-on après « je dis » ? Vendredi. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il dit. Que celui qui a fait ça se dénonce !
les profonds milieux. C'est pas un peu fini, ce chahut? Monsieur Luc, je vais devoir confisquer les armes à feu dans l'enceinte de cette école. Vous rigolez, prof? Donnez-moi votre arme, monsieur Luc. La plaisanterie va trop loin. Si je suis désarmé, l'école sera à la merci de... La violence ne résout rien. C'est par l'exemple que s'impose l'autorité. Monsieur Pourriche, il est temps de mettre un terme à cette situation intolérable. Entièrement d'accord. On va mettre un terme au maître. On rigole, bande d'abrutis! Tout de même. Ah, c'est malin. Luc! Hé, patron! Qu'est-ce que vous faites? Je m'entraîne pour le marathon de New York, crétin! Pour cette fois, je passe l'éponge. Un train part de Saint-Louis le 15 septembre à 14h. Son arrivée est prévue à Carson City le 21 septembre à 19h. Il subit 45 attaques de bandits, durant chacune en moyenne une demi-heure, plus 20 minutes pour déblayer la voie. Compte tenu d'un retard prévu dans l'horaire de 2 jours et demi, la dernière heure arrive à la destination. Bien, vous me résolvez ce problème pour demain. Bonsoir, monsieur Luc. J'ai mes cours particuliers à donner aux mères de famille nombreuses. J'attends de lire votre dissertation philosophique sur le crépuscule des idoles. 5 x 5, 5 x 2, 10, 5 x 3, 15. Y'a rien à faire avec ce fichu Lucky Luke. Pour en venir à bout, j'ai besoin de tous mes hommes. Faut sortir Bob, Jack et Max de prison. Arrêtez, Olivier! On n'était que tous les deux dans le saloon pour mon cours de rattrapage quand Hilarius et ses chiens de prairie ont débarqué et l'ont emmené. Ah, ils sont partis vers la rivière d'où l'on ne revient pas! Dites, vous avez du noir sur la figure. Curieux, ces crapules ne se sont même pas donné la peine d'effacer leurs traces. Je vous serais reconnaissant d'agir rapidement. J'ai un poids de côté. Tenez-vous prêt. À quoi? Les étaux étaient glaciales. Bizarre. Plutôt que de vous descendre, Pourriche nous a fait ce numéro de cirque. Ça vient de Rogulch. Votre enlèvement n'était qu'une grossière diversion, prof. Je voyais Bully. Et vos trois élèves ont fait l'école buissonnière. Dommage, ils faisaient des progrès. Maintenant qu'ils sont en nombre, Pourriche et sa bande vont certainement tenter quelque chose. Hello, prof. Bonjour, monsieur Luc. Vous disiez? Je crois que ma média nocturne m'a rendu la faune. Bah, ne faites pas classe aujourd'hui. Vous allez faire la classe le temps que je retrouve ma voici. Moi? Vous plaisantez? Je vous en prie. Vous seul avez suffisamment de connaissances pour assumer mon poste. Sacrée promotion. Jusqu'à présent, vous vouliez que je fasse l'élève et maintenant le prof. Et surtout, surtout, ne faites pas le gour avec votre bise de lait. Vous me le promettez. Si t'arrêtes pas de copier, je te descends à la récré. Ouais, je copie pas. Ah non, à la question 2, j'ai marqué je sais pas. Et toi, moi non plus. Et alors, c'est pas une preuve. Si t'aurais mis je sais, j'aurais mis moi non plus aussi. Et pourtant, c'est le contraire. Donc ça veut dire que j'ai pas copié. Bienvenue au cours. Votre professeur est malade et je le remplace.
Je lis dans vos regards étanches une soif que je m'efforcerai d'apprendre. Après avoir vu ça, je peux mourir tranquille. Je vais inscrire la leçon du jour qui va être... Géométrie. Je veux dire géographie. Comme vous pouvez le constater, la Terre est ronde. Oh hey fait remarquable, le pôle Nord est au Nord et le pôle Sud au Sud. Ça, c'est pensé tout de même. Notez comme la nature est bien faite. Les fleuves se jettent tous dans la mer. Moins vite, monsieur le maître, j'arrive pas à écrire. Toutefois, attention, dans la réalité, la Terre n'a pas de socle. Ah bon? Bien. Restez assis, les ploucs! C'est gentil d'avoir laissé ta pétoire à l'accueil, Luc. Je viens passer mon diplôme d'éliminateur de gêneurs. Quand il a Rius Pourriche fait une blague, on rigole! Désolé, monsieur Pourriche. On a de l'instruction maintenant. Et il faut des plaisanteries moins bêtes pour nous faire rire. Ouais. On est des gens cultivés, nous autres. Et on en a assez de vous, de vos hommes douteux et de vos plaisanteries tout aussi douteuses. Bravo, prof. Vos élèves ont fait beaucoup de progrès. En matière de courage. Oui, Mister Pourriche vient de prendre sa première leçon de choses. Mais il a toute une éducation à refaire. Bien mal acquis. Ne profite jamais. Qui vole un œuf? Vole un bœuf. Plus vite, Coyotignard. Je veux une prison plus belle qu'avant. Et après, vous construirez une école. Le crime ne paie plus. Vous avez fait des miracles, prof. C'est vous que je dois remercier, monsieur Luc. Sans votre aide, je... Sans vous, jamais... Monsieur Luc? I'm a poor lonesome cowboy. On m'a demandé de venir discrètement. Je suis Lucky Luke. Je suis au courant. Monsieur Luke est arrivé! Merci d'avoir accouru. Figurez-vous qu'on vient d'arrêter Smiley Bang Bang Laughter. Le détrousseur du Nebraska? J'ai déjà eu le bonheur d'arrêter cette crapule, mais les juges le libèrent toujours, faute de preuves. Ou de témoins. Cette fois-ci, on en a un. Il s'agit de ne pas le laisser nous claquer dans les doigts. Le professeur Oscar, Tiny Boots, un New-Yorkais qui se trouvait là pour une conférence sur les escargots, l'a vu tirer sur un coyote près de Kansas City. Qui est la victime? Un coyote, je vous l'ai dit. Le coyote est une espèce protégée au Kansas. Sinon, les moutons proliféreraient. Avec le témoignage de Tiny Boots, le tribunal de Saint-Bob peut lui coller 67 ans. Et vous voulez que j'escorte votre pied tendre jusqu'à Saint-Bob? Très juste. Et vous aurez fort à faire. On murmure que Laughter a lancé un contrat de $5,000 sur la tête de Tiny Boots. Mais venez que je vous présente. Oscar Tiny Boots. Je suis si excitée de faire votre connaissance. Je suis Mini Tiny Boots. Lucky Luke. Et voici Oscar. Oscar? Darling! Voyons, ne fais pas l'enfant. Oscar, tu fais ton devoir. On ne revient pas là-dessus. Je veux pas y aller. Tu es de la trempe des héros, Oscar. Ton nom restera inscrit au panthéon des grands hommes de l'Union des bienfaiteurs de l'humanité.
Et puis Monsieur Luc nous accompagne. Quoi ? C'est lui notre escorte ? Lui tout seul ? Lui tout maigre ? J'y vais pas. Lucky Luke est le meilleur tireur de l'Ouest. Montrez-moi comment vous êtes le meilleur tireur de l'Ouest. Formidable ! Un fusil à $3,000. Pour trouver des pièces, vous êtes fort. Mais qu'en est-il des innombrables tueurs à gages qui me menacent ? Oscar, tais-toi ! Hey ! En route ! Nous vaincrons ! Parce que vous venez aussi ? Oscar et moi, c'est à la vie, à la mort ! Plus on est de fous, moins c'est discret. J'ai pensé à un stratagème. Vous vous joindrez, déguisé en soldat, à une compagnie de cavalerie qui doit rejoindre Fort Bob. Déguisé en soldat, c'est une idée complètement irrationnelle. Chut ! Ce convoi va nous emmener à Saint-Bob, beaucoup plus vite qu'à cheval, tâchant de ne pas attirer l'attention. Je suis malade, ce train est rempli de germes. Je veux rentrer à la maison. Il a le mal de train, ça arrive. Oscar, un héros n'a mal au cœur que quand une balle le traverse. Ça va, Oscar ? Non, ça ne va pas. Je me meurs. J'ai la dysenterie, le choléra, la peste. Je suis en phase terminale. J'agonise. C'est fini. Le respect, Miss. La place est libre. Qu'est-ce que c'est que ce coin ? Garde à vous ! Vous n'êtes pas l'armée pour rigoler ! Ah, ça va mieux. Oh, oh. C'est les cirés et les bâtards de tout le régiment ! Ça vous apprendra ! Allez, plus vite que ça ! Vous dresserez, moi ! Moi, un spécialiste mondialement reconnu, ciré des bottes puantes pour des primates en uniforme. Tu peux le faire, Oscar. L'homme sort grandi des épreuves du chemin de la vie. Il va lui en falloir des épreuves avant d'atteindre une taille normale. J'arrive pas à l'enlever, mon lieutenant. Aidez-le ! Un homme à la mer. Après cet exploit, mieux vaut pour vous continuer à cheval. Je vais le tuer ! Tu crois que c'est un ordre ou bien... C'est son déserteur ! Je suis malade ! C'est le mal de cheval, ça arrive. Bon, on fait une petite halte et on repart tranquillement au pas. Vous verrez, ça va aller beaucoup mieux qu'au galop, Oscar. Non, ça ne va pas aller mieux. Je vais retourner à New York. J'exècre toute cette nature hostile, pleine de chevaux, de militaires. Elle vous le rend bien, monsieur le cuistre. Oh, quel stupide animal que le cheval. Un escargot ne ferait jamais ça. À couvert, vite. Allez, Oscar, défends-nous. Tu es un héros, quoi. Mais pas du tout. Je suis tout le contraire d'un héros. Et je ne veux certainement pas en être un. Oscar, ne me déçois pas, ou tu le regretteras. Allez. Je me suis pincé. Évacuez le blessé. Je m'occupe de nos arrières. Aïe, aïe, sir. Rends-toi, déserteur.
mal entouré par le désert. Il vaut mieux éviter les villes où des tueurs peuvent vous attendre. Pour ne pas laisser de traces, une vieille ruse indienne. On attache des branchages derrière les chevaux. C'est passionnant. Mais nous n'allons jamais trouver de chambre d'hôte dans le désert. Nous dormirons à la belle étoile, comme des bêtes. J'ai chaud, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai mal aux fesses. C'est le mal du désert, ça arrive. Nous allons mourir dans ce désert ridicule. Les charognards s'arracheront nos carcasses encore chaudes. Je ne reverrai jamais mes escargots, leurs bons gros yeux baveux. Je rentre à New York. Oscar, affronte le monde, sors de ta coquille. D'autant que l'implacable Lanky et le lieutenant Stubborn le suivent à la trace. Dans la nature, un fugitif laisse des indices visuels, sonores et olfactifs. À New York, quand on cherche quelqu'un, suffit de demander. Oh, les lâches ! Pourrais-tu imaginer cela, Oscar ? Nous deux, chevauchant dans le désert, tels Samson et Dalila, des tueurs à nos trousses, en compagnie d'un cow-boy rugueux. Solitaire. C'est un de mes cauchemars récurrents. C'est fabuleux! En dessous de 80% d'humidité, l'escargot ne peut pas vivre! Cet escargot est un mutant! À propos d'escargot, il faudrait peut-être activer le rythme. L'escargot du désert! Je te baptise Tiny Butus Deserticus! Je vois, vieille ruse indienne. Branchage coupé il y a environ 1h42 minutes, dissimulant approximativement les traces de 3 chevaux, dont un peu chargé. Classique. C'est pas une vieille ganache qu'on apprend à sentir le crottin. Cheval ou bison? Si, si, il y en a forcément d'autres. Oscar, je vous rappelle que vous êtes en danger et que le temps presse. M'en fiche! Cette découverte est plus importante que tout au monde, même moi. La grande aventure de la science. Qu'y a-t-il de plus exaltant? Qu'attendre de plus de la vie? On ne bouge plus, les déserteurs! Les ennuis. Écoutez, nous ne sommes pas des soldats. Je suis Lucky Luke, envoyé du gouvernement, et nous sommes en mission secrète. Bien sûr, et moi je suis un lapin. Ah bon? Nous devons rejoindre Saint-Bob, c'est vital. Vous devez rejoindre votre cantonnement. Vous passerez en cours martial équitable avant d'être fusillé. Là, un autre! Ah non, c'est un caillou. Enfin un indice sérieux. Désertion, refus d'être fusillé, nicotage de supérieur, vous serez fusillé. Mais vous serez fusillé par derrière. Et la tête en bas. Ok, on se revoit et on en parle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Déserteur! Rends-toi! Je t'arrête! Viens ici! Viens te battre! Voilà! Je te fuis, Bouddha! Pleutre, quoi? Et
étonnant phénomène météorologique, ces petits nuages. Ces signaux de fumée signalent notre présence. Nous longeons le territoire des Indiens cerfs-volants. Des Indiens ? Ils vont nous manger ! Les Indiens ne mangent pas les gens. Et les cerfs-volants sont pacifiques, en principe. Toutefois, comme il vaut mieux ne pas réveiller le guerrier qui dort, nous contournerons leur terre en passant par Olmos Gulch. De toute façon, il faut se ravitailler en eau. À nous deux, tous les quatre. Ah, les écuries, la ville n'est pas loin. C'est la ville. Attendez-moi ici, il risque d'y avoir de rudes gaillards là-dedans. Mais Oscar sait être rude gaillard quand il veut. Montre à Monsieur Luc comment tu fais ton rude gaillard. Il a marché comme ça, le pied tendre. Il suis-je de nous ? Limonade, et remplissez-moi ça. Je prendrai une infusion. Quelle puanteur ici ! Il y a des normes d'hygiène. La propreté n'est pas une question de moyens, mais de dignité. Des chaudrons et des plumes pour les cornes vertes ! C'est l'hygiène de chez nous ! Ouais, des chaudrons et des plumes ! Je sais pas, je suis New-Yorkais. On s'en va. Quelle bonne surprise. Je venais me ravitailler, mais je pensais pas tomber sur vous. Approche, Tiny Boots, si tu ne veux pas devenir veuf. Mais si j'approche, c'est elle qui sera veuve. Quel dilemme. Léo, ils sont à nous. Ah non, j'étais là avant, je suis parti de New York. Fallait le dire tout de suite que t'étais un pied tendre aussi. Coudron et prune pour tout le monde, les gars. Ils sont déserteurs. Yeah. Rejoindre Saint-Bob au plus vite. Avec tout ce monde à nos trousses, on va couper par le territoire des cerfs-volants en essayant de ne pas attirer l'attention. Si ces Indiens sont pacifiques, je n'aimerais pas en rencontrer de belliqueux. Il y a forcément une explication. Je vais parlementer avec leur chef. Ils ont l'air affamés. Oh, regardez! Des Tiny Boutus Deserticus. S'ils aiment les escargots, ils ne peuvent pas être méchants. Castor Froncé, notre chef. Nous avons trouvé ces trois visages pâles. Qu'on les scalpe. Mais enfin pourquoi ? Les cerfs-volants sont en paix avec les hommes blancs. Parce que nous sommes des lumières massacrantes. Voyons, mon ami, que se passe-t-il ? Vous avez eu une contrariété, c'est cela ? Racontez-moi. Le croc tout au notre animal sacré est malade. Ah, Tiny Boutus Deserticus. Il ne tient plus en place. Le sorcier ne peut plus lire les présages dans ses traces de bave. C'est un parasite, ça s'opère. Le petit homme aux yeux de verre est un grand sorcier des roux-doudous. Il peut soigner le grand roux-doudou. Bah voyons, qu'on escalpe. Attendez, regardez. Il l'a recueilli tout sec, plein de contusions et de fractures, et il l'a guéri. Que le petit homme médecine soigne le grand roux-doudou. Et si vous échouez, vous allez en baver. Mais je n'ai pas de matériel pour opérer. Faites avec les moyens du bord, c'est notre seule chance. Tenaille, écartez. Là, plus à droite, vite. Épongez. Il bave beaucoup. Il transpire. Tomahawk. «
Sabre. Silex. Belle, vite. Écartez plus. Il faiblit. Vite, éponge. Je vois le parasite. Non. Oui, tapette, vite. Je l'ai eu. Mini, tu peux recoudre. Il est tiré d'affaire. Vive la petite médecine ! Grâce à vous, les cerfs-volants ont à nouveau un avenir. Comme un long fleuve baveux. Ma plume arpentait le territoire du grand Roudoudou. Je cherchais juste trois visages pâles. Un petit, un grand et une squaw de la ville. Ami ou ennemi? Ami? Bon visage pâle. Un escargot? Oh, sale bête! Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Bob, on est arrivé. Déjà? Plus qu'une rue avant le tribunal. Tu es à 200 mètres d'être un héros, Oscar. Un héros posthume. Sortez héroïquement. Oh, c'est pas vrai. Eh bien, dans ce cas, on ne peut plus y couper. Shérif, allez chercher le prévenu. Le procès va commencer. Comme ça, c'est fait. Silence! À ma gauche, le prévenu Smiley Bang Bang Lost. Ouais. Silence! À ma droite, le témoin Oscar Tiny Boots. Ouais. Silence! Ou je fais évacuer la salle. J'appelle à la barre Monsieur Oscar Tiny Boots. Monsieur Tiny Boots, qu'avez-vous vu? Qui, moi? Mais rien, rien du tout, j'y vois rien, j'ai des lunettes. Oscar! Courage, Oscar. Avez-vous déjà vu Monsieur Lofter ici présent? C'est possible. L'avez-vous déjà vu? Oui, je crois, enfin, je... Oui. Bon, et que faisait-il? Il atterrit sur un coyote. Je l'ai vu. C'est mal. Mais il ne l'a peut-être pas fait exprès. Smiley Lofter est condamné à 67 ans de prison. Adjugé. Ça, c'est ta faute, incapable. Je lance un contrat de 20 000 $ sur la tête de ce crétin de Lanky. Mais... voyons, Smiley! Mon titan! Eh oui, Oscar a vaincu Goliath. Bien, maintenant que ce détail futile est réglé, si nous nous occupions de choses sérieuses et que nous retournions étudier le Tiny Boutus Deserticus... Mon amour, tout ce que tu voudras. Seul? N'est-ce pas dangereux? Mini, voyons, qu'as-tu à redouter? Tu as épousé un héros. N'est-ce pas, monsieur... Et où est-il? I'm a poor lonesome cowboy.
pas le temps. Mais quelle merveille, ce nouveau système de sécurité. Fabriqué par la Look and Lock à Brain Valley, les mêmes qui ont conçu le système de Fornox, la banque des banques. Un colis de Mad Alton pour ses poussins. Mon gâteau préféré! Ah! La fève est pour moi. De toute façon, ce n'est pas avec ces outils préhistoriques que tu vas forcer le système le plus moderne du monde. Mais où est Avril? Avril, rentre immédiatement! Juste un dernier coup! J'ai pas fini mon caillou! C'est joli! Ça brille dans le noir! Un jour, je détruirai ce pénitencier pierre-papier! Un rapide calcul permet d'évaluer à environ 112 368 le nombre de pierres de ce pénitencier. Il te faut en moyenne 12h23 pour en casser une. Tu auras donc besoin de 92 766 jours. En travaillant 15 heures par jour. Ça va, Avril? Suivez-moi. Comment ce crétin peut-il espérer forcer un système à... En silence. La foudre, elle l'a rendu intelligent. Ne mélangeons pas. Moi, je suis intelligent. Lui, il est... bizarre. Tout système nous donne 1000 indices de sa structure interne. Le reste est affaire de raisonnement. En réfléchissant, j'aurais pu le faire. Voyons, Joe. Tu sais bien que tu es plus impulsif que réfléchi. Peut-être, mais le chef, c'est qui? C'est moi. Pour notre intérêt à tous. Système inviolable, vous dites? Le plus incroyable, c'est qu'il n'a même pas été forcé. Quelqu'un connaissant le système a pu les aider. Une nouvelle race de friandises géantes. Un employé de la Look and Lock? C'est impossible. La seule piste, c'est Brain Valley. J'ai dit j'y vais. J'ai compris. J'y vais. On fait quoi maintenant? Comme d'habitude. On s'arme au bled voisin et puis on terrorise dans des valises en légumes! Non, non, non! Fini de grappiller des petites banques. On va viser grand. Très grand. Fornox. Fornox? Mais avec quelle arme? Le cerveau. Son cerveau? Non, le mien. C'est dur de boire dans un abreuvoir. Ce chien aurait peut-être l'idée de passer par en dessous s'il avait un cerveau. Pas de nouvelles des Dalton. Ça cache quelque chose. Rentre en plan. Tu me rappelles pourquoi on met des habits différents, Avril? Ça brouille les pistes, vu qu'on recherche quatre types semblables, dont un abo furieux. Tu parles de qui, là? Dans les bureaux de la Look and Lock, il y a les plans de Fornox. On vole les plans et à nous les lingots. Des montagnes de lingots. Génial! Zéro violence, 100% matière grise. Ce type est la honte de la famille! Lucky Luke! Lucky Luke est là! Et on n'a pas d'armes! On aurait dû en voler!
Non! Voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré. Eh, ça va, vous? Et toi qui es si malin, pourquoi qu'il est là, Luc, si on n'a pas laissé de traces? Sa seule piste, c'est la Look and Lock. J'ai pas compris. Ça me donne une idée. Je vais utiliser Luc et m'amuser un peu. Gardez le petit qu'il fasse pas de bêtises. Notre personnel est irréprochable. Et forcez la Look and Lock. Je ris. Venez plutôt visiter. Votre célèbre Colt doit rester ici, monsieur Luc. Surtout, tu me le surveilles. Une petite sieste ? En voilà une bonne idée. Bonjour, je suis l'assistant de monsieur Luc. Tiens, un Dalton ? Oui, le chien de monsieur Luc vous connaît bien. Le Colt le plus rapide de l'Ouest. Je vais en profiter pour le nettoyer. Pour dégainer vite son truc, c'est l'huile. Mais... chut, c'est un secret. Je n'ai rien vu. Mmh, il fabrique des bonbons au sucre. J'y vais. Ne lui dites pas que je suis venu. S'il apprenait que je vous ai révélé le secret... Je ne sais rien. Ah, vous me faites penser à quelqu'un. Oui, on m'a toujours dit que je ressemblais à Billy the Kid. Elle est bien bonne. Si je comprends bien, c'est l'autre qui est en prison maintenant. Vous voyez, le responsable de l'évasion des Dalton ne peut venir d'ici. Et pourtant, quelqu'un connaît vos systèmes. Oh, vous permettez. Du sucre. Télégraphe pour monsieur Luc. Les Dalton, stop, ont attaqué, stop, une banque à Cactus Junction, stop. Pour une fois, ça me ferait presque plaisir. Ah, ben, vous revoilà. Mon patron a perdu un de ses éperons durant la visite. Un jeu d'enfant. Il était là! Comment ça, les Dalton n'ont pas attaqué votre banque? Enfin, pas récemment, non, mais ils se sont évadés. On les a évadés, et ce on est en train de me mener en bateau. Si vous voyez les Dalton, dites-leur de penser à moi! C'est vrai, une banque qui ne mérite pas d'être attaquée, c'est préoccupant. La bonne blague. Luc ne doit plus rien comprendre. Si t'es aussi génial, trouve un moyen pour qu'on s'en débarrasse définitivement. Ça viendra, petit, ça viendra. J'ai enduit son colt d'huile. Plus une autre surprise. À nous, Fort Knox. À nous, les montagnes de lingots. J'ai faim! On a voulu m'éloigner, mais de quoi? C'est plus facile avec des Dalton bêtes qu'avec des Dalton intelligents, hein, cowboy? On rebrousse chemin. Qu'est-ce que tu as, toi, à renifler mon colt? Du sucre! Alors, c'est qui le chef? C'est toi, Joe!
Exact. Regardez-le, votre génie. 2 et 2. Je sais pas, Joe. 2 et 2. 3. Mauvais. 1. Non. Nul. 4. Non plus. Alors maintenant, avec mon intelligence, on ravage en écume, on pille. Mais il a tous les plans de Fort Knox, là. Une montagne de lingots, Joe. Il faut le recharger. Juste le temps d'attaquer Fort Knox. Il nous faut un orage. Les Dalton se sont enfin manifestés, et ce coup-ci pour de bon. Une visite de politesse dans une banque, je suppose. Ils ont enlevé un sorcier indien. Le mystère s'épaissit. Hein? Oh. Du sucre. Tu vas nous provoquer un bel orage, hein? Avec de la foudre. Grenouille heureuse fait la danse de la pluie quand ça lui chante. Il pleut ou c'est les baffes qui vont pleuvoir? Grenouille heureuse cède à la menace. Mais pour danser, il lui faut du rythme. Ils ont surgi, ils ont kidnappé le sorcier, ils sont partis et c'est tout. C'est tout? On voit bien que c'est pas le sorcier du visage pâle qui a été enlevé. Grenouille heureuse n'est pas un simple sorcier généraliste. C'est un spécialiste qui commande aux nuages. Un faiseur de pluie? Pluie, averse, orage, ouragan sur commande avec supplément tonnerre. Et réduction pour temps pourri à partir d'une semaine. Nous voilà bien avancés. Que les visages pâles nous rendent grenouilles heureuses, sinon ça le tend en perspective. Que Bison affûté ne monte pas sur ses grands chevaux. Je lui ramènerai son sorcier. Alors, ça vient? Vous jouez faux. Avec ça, je peux tout juste faire la danse des tomates pourries. Oh! Dis plutôt que t'es un escroc, oui. Grenouille heureuse se souvient comment transformer visage pâle en asticot. Venez, on va trouver autre chose. Le chien a levé un dindon, il tombe en arrêt. Non, rentre en plan, ce n'est pas un oiseau, c'est un indien. Un dindon géant? Les Dalton vous ont relâché. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Des éclairs. Gratuit. Des éclairs? Mais pourquoi faire? Les éclairs sont le plus souvent commandés pour allumer le barbecue. Et ils les ont eus, leurs éclairs? Non, car comme dit le proverbe, si tu n'as pas le rythme, tu ne peux pas allumer le feu. Ce qu'il nous faudrait, c'est de l'électricité. De l'électricité. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs! De la crème au chocolat ou au café? Je me demande si je le préfère pas intelligent. Des fois, quand on se cogne, ça fait bzzz et y a un éclair. Il faut trouver autre chose. Les Dalton! Les Dalton! Ils vous ont dévalisé? Ben non, ils m'ont demandé si j'avais de l'électricité, de l'électrec. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. C'est donc d'électricité qu'il s'agit. La loutre du visage pâle, elle a le rythme. C'est bizarre, j'entends comme un battement. Avec ce rythme, faire donner la foudre est un jeu d'enfant. Heureuse doit filer. J'ai besoin d'une collation. Mais ça, j'ai jamais vu un chien aussi malin.
Ça paraît dingue, mais je crois que l'électricité agit bizarrement sur certains cerveaux. Contemplant, est-ce que... Ça va, j'ai compris. Il faut retrouver les Dalton. Suivez-moi. Si au moins cet idiot n'était pas idiot, il pourrait nous dire comment le rendre intelligent. C'est idiot ce que je dis. Mais tu crois pas qu'à Brain Valley, il y aura un inventeur de machines à estrie à éclair? Tu t'es cogné, William? Allez-y! Alors, je vais redevenir intelligent? Bon, bon, bon. Tu sais, il n'y a pas que des avantages. Je suis le chef, j'essaie d'abord sur moi! Alors, l'idée géniale pour forcer Fort Knox. Amène-toi, Vrel. Il a peut-être une grosse tête, mais c'est le nez qui travaille. Vois-tu, Equidé, flairer n'est pas renifler. Flairer, c'est interpréter, c'est déduire, c'est... mais tu peux pas comprendre. Je crois que je le préférais avant. Si mon explication tient, Avrel serait à la tête des Dalton. Je me demande comment Joe réagit. Ta-ta-ta, tu peux bouder. Mais je t'ai pris avec moi à condition que tu fasses exactement ce que je te dirai. Je veux de l'or! Tu en auras si tu te tiens bien! Ils ne sont plus là. Pardon? Ne tirez pas! Ils ont volé un chariot, ma machine à électricité, et ils sont partis par là. Il y a des traces. L'intelligence qui différencie le canin supérieur de l'équidé vulgaire. Gna gna gna. À Fort Knox, triple galop. Fort Knox, la plus grande tirelire du monde. Tu arriveras à rentrer? Et les gardes? Non, pas la tête! Code 40-18-72-00, Rassemblement général des gardes salle 22. Avec des armes, on aurait pu tous les descendre. Non. Si, on aurait pu. Oh. Allez, rentre au plan, le temps presse. Le triple galop, supériorité du destrier sur le rasemote. L'or est à nous! Gamin, va! Oh non! Pas maintenant! Pompée! Je comprends pourquoi Avrel a tenu à ce qu'on emporte la machine! Ah tiens, intéressant. On y va. Je me sens bizarre. J'ai éternué. T'occupe, ouvre. Je suis au paradis. Ah non, pas déjà. Comment t'avais prévu d'amener cette montagne d'or au chariot? Hein? Comment? C'est joli ici. Ça brille. Pompée! Ça m'a l'air de tourner à l'orage. Ça marche plus! Ça marche plus! Mais qu'est-ce qui marche plus, Joe? Tant pis, à la main! A tout l'air de travailler à l'ancienne. Ça sert à quoi d'avoir un gros cerveau si les jambes ne suivent pas? Mais plus vite! C'est lourd!
Allez, les Dalton, la fête est finie. Pourquoi on n'a pas d'armes, Joe? Parce que voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré. C'est idiot. Avril est un génie. Oh, enfin, enfin ce moment tant attendu. Hé hey. J'en pleure presque. Avril avait parlé d'une surprise. Du caramel! Quelle bonne idée! Alors, c'est qui le seul génie de la famille? C'est toi, Joe! Tu ne peux pas refuser le défi, cheval. Des chocolats? Elle a échappé belle, hein? Oh, je m'en serais sorti. Le chocolat blanc? C'est bon aussi. I'm a bold lonesome cowboy.